Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et sinon, je te souhaite un bon visionnage. Hey, salut à tous, c'est Yumia et aujourd'hui on se retrouve pour encore une nouvelle journée, donc la journée 9 sur Citybus Manager. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir publié d'autres vidéos avant. Mais voilà, on est quand même de retour sur Citybus Manager version électrique. Alors aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, ça va être de mettre l'atelier de peinture et d'acheter des abribus en truc électrique pour tous mes bus. On va voir ce que ça va aller pour cette journée ou pas. Voilà, donc première chose, c'est qu'on va affecter les bus pour les lignes. Hop, je vais faire pour les lignes 2, la ligne 1. La ligne 4. Alors les tout petits bus, on garde pour la ligne 3. Ces bus-là, c'est pour la ligne 3. Parce qu'ils sont bien assez pour la ligne 3. Donc là, le but, l'objectif, c'est de pouvoir produire assez d'électricité pour arrêter de devoir utiliser l'électricité en contrat. Ça serait tellement bien. Donc là, c'est parti, la journée commence. On va ouvrir les bureaux. On va accélérer tout ça et regarder les commentaires. Donc là, on a eu un 3 sur 5 et un 5 sur 5. Très bien. Donc là, ligne 2, hop. Donc là, je fais vraiment tout mes lignes et c'est parti. Alors, comment vont tout le monde? Satisfaction rentre à la maison. D'accord, cette satisfaction n'est pas top. Bon, on verra bien. Bon, là, tout est dans le vert, donc c'est bon. Satisfaction, pas ouf non plus, mais bon. Il est à la maison, donc ça devrait aller. Là, ça va encore. Et là, on va dire que ça va encore. Les mécanos, ils vont très bien. Les chercheurs, il a enfin arrêté d'être en congé maladie. Parce que c'était lundi inclus, quand même. Et donc là, à part lui, insatisfaction, parce qu'il y a apparemment donc du stress, moi, ils sont à la maison, donc ça va. Reposez-vous, c'est tout. Donc là, c'est parti pour la journée. J'espère que ça sera une journée assez rentable. La journée d'hier était méga rentable. On a fait quand même 41 000 de bénéfices. C'est vraiment pas mal. Mais bon, on a utilisé beaucoup d'argent quand même. Amende, on n'en a pas eu. Donc ça, c'est bien. Donc les tickets, pour l'instant, on va laisser comme ça. On n'emprunte pas. Et au niveau des statistiques, on est pas mal. Au niveau de la compagnie, bon, bah ça stagne un peu pour l'instant. D'accord. Et là, au niveau des bus, ça passe encore. Donc ça va. Ça devrait encore aller cette journée de toute façon. Donc là, le but, c'est de mettre la station pour acheter, pouvoir acheter des bus voilà, d'occasion. Donc là, on va essayer de voir pour acheter un bus d'occasion pour finir notre flotte de petits bus, de minibus, et de pouvoir enfin mettre d'autres abribus mais en version panneau solaire. Donc là, autoproduit, bon, c'est pas ouf, quoi. Je pense qu'on devrait en mettre plus, quoi. Bon, pour l'instant, déjà, on fait fini la flotte de bus et ensuite, on verra. Hop, on va regarder s'ils ont besoin de quelque chose. Apparemment, non, ça va. Les billets, ça passe. Au niveau d'ici, vendez plus de passes semaine. Bon, pour l'instant, ça passe. Et vendez 6200 tickets. Ça va aussi au niveau des lignes. Très bien. J'ai quand même un grand réseau. Par contre, par ici, on n'y est pas vraiment. Je pense que dans les prochains épisodes, on commencera un peu à partir par ici. Du coup, comme je disais, je pense qu'on va partir un peu par ici. Voilà. Pour avoir un peu par ici, puis après on essaiera de partir par là, mais là je pense que je ferai deux petites lignes qui partent par là et par là, et on verra ce que ça donne, mais ça sera dans les prochains épisodes. On va pas le faire là tout de suite, ça va très bien comme ça. Donc là, au niveau de là, on a 5 minutes d'attente, donc ça va, les gens se plaignent pas. Au niveau des recherches, on en est où?
On va lancer la recherche de ça. Je pense que je vais remettre bientôt un nouveau chercheur, mais bon, il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Pour mettre un nouveau chercheur, ça va être un peu compliqué. Bon, tant pis. Pour l'instant, on va rester comme ça. Je vais un peu regarder s'ils sont forts. Ouais, ils sont quand même pas mal stressés. Et si on les augmentait un petit peu? On va les mettre à 14. 14-10 tous les deux. Allez. Par gentillesse. Après toi, sinon je te vire hein, si ça passe pas trop. Mais je pense qu'on va remettre un nouveau chercheur. Alors. Pour le voyage exceptionnel, voici le bus. Donc ça va, de toute façon on en a assez. Large, large, large. Ouais, évaluation de la décoration 34%. Je pense que je vais rajouter des petites plantes, mais plus tard. Niveau des bureaux, du coup, ça va être compliqué quand même. Je pense que ça, je vais le... On peut pas le mettre là, tu vois. C'est que dans le bureau, d'accord. J'essaie de voir pour mettre un nouveau poste de... pour embaucher quelqu'un, mais je sais pas si ça va passer. Ça... Bah oui, normal, il y a l'envers. On va le mettre à l'endroit quand même. Bah apparemment, ça passe encore, mais bon, il y a la photocopieuse juste là, mais bon, tant pis. Donc on va recruter un nouveau chercheur. Donc il faut un casier. Alors, le casier. Que voici. C'est vrai que je voulais enlever les murs quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger le casier. Tac. Ah, il s'est pas bougé dans le bon sens. Voilà. Et je vais détruire les murs. Je crois qu'il y a un casier ici aussi. Et là, on va détruire ça. Ah mais du coup ça fait ça. Ouais, ça va pas quand même. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois. C'est un peu compliqué quoi. On va le laisser comme ça, hein, tant pis. Mais du coup il y a un casier inaccessible. On va le mettre comme ça. Bah tant pis, on va laisser comme ça pour l'instant. On va rembaucher. Donc on a un nouveau bus, mais c'est pas un bus électrique, donc c'est pas intéressant. Un nouveau chercheur. Je pense qu'on va le mettre lui à 14-10. Voilà, comme ça au moins maintenant ils seront 3. Ah, on a un numéro inconnu qui nous appelle. Demande de location de bus. Il nous faut au plus vite un bus. Pouvons-nous en louer un pour 4700 jusqu'à mercredi inclus? Bah, allez, on va leur louer ce bus-là. Voilà. On va leur louer celui-ci. Donc la ligne 4. Voilà. On va regarder un peu les bus d'occasion. Alors, au niveau des bus d'occasion. Sachant qu'on veut... un électrique. Celui-là, il est à 13 000. Plaquette de frein, il n'est pas ouf. Ah, il n'y a que celui-ci, quoi. Mais plaquette de frein, bah voilà, quoi. C'est pas un truc de fou, quoi. Propreté, bon, les pneus aussi, il faudrait changer. Est-ce qu'on aurait des plaquettes de frein? C'est ça quoi. Alors, pièces détachées. Je pense que les plaquettes de frein, on va en acheter un. Et des pneus aussi, j'ai vu, je crois.
Ils sont les pneus, jeu de disque, feu, clignotant, essuie-glace. Ouais, les routeurs, ils sont là pour la Wi-Fi, en fait. Ok. Par contre, pour les pneus, je sais pas quoi. Distribution, moteur, feu, clignotant, essuie-glace, climatisation. Batterie, routeur, plaquette de frein, jeu de pneumatique. Bon, bah, à mon avis, c'est ça. On va en acheter. Et du coup, on va acheter le bus. Alors. Ah, bah, voilà. D'information passager. On va le prendre. Et ça aussi, on va le faire. Alors, du coup, on va revenir sur le bus. J'espère qu'il y a encore. Eh ben non, il n'y est plus. Bah oui, pourquoi il serait encore? Bon, lui, il paraît, quoi. Vous n'avez pas assez d'argent. Ah bah oui, effectivement. Faut que j'attende un petit peu. Et si on fait une proposition à... Bon, on a presque là bientôt, quoi. Ah. Bah, là, bah, ça sera un petit bus. Tant pis. Niveau des recherches, sinon, on en est où? Donc, ça aussi, on va le prendre. Je veux un nouveau bus d'occasion. Celui-là, il est 30 passagers, donc pas ouf. J'ai plus de bus pour l'instant. Ah, oui, mais c'est parce que j'ai prêté un bus, hein. Faut vraiment que j'achète un bus, là. Achetons ce bus. Voilà. Il arrive. Je vais pouvoir le mettre et on fera la peinture le soir. Comment on fait du coup pour savoir? Je sais pas si on va là, non. Bah là, j'ai plus de bus par contre. Faut que j'attende. J'avais encore un nouveau truc à pouvoir mettre. Voilà. C'est bon. Celui-là, il va pouvoir partir. Non, bah là, il va partir. Donc, j'attends le soir de toute façon pour pouvoir le refaire. Donc là, j'ai acheté des plaquettes de frein, tout ça, mais c'est vrai que je les reçois demain à 9h. Je crois que j'ai vu ça, donc... Ah, donc où c'est ça. Là, j'affecte mes services de l'après-midi. Pour l'instant, j'ai pas assez de bus. Ils vont arriver. Ils vont arriver, voilà. Hop, ils repartent directement. Ah là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Ah bon. Je suis conducteur et j'ai vraiment besoin d'une pause. Puis-je prendre 24 heures? Allez, prends-les, je suis gentille. Prends tes prochaines 24 heures. Ah, nous avons un nouveau commentaire. J'étais en vacances récemment et j'ai été surpris de voir à quel point les prix des tickets de bus étaient moins chers là-bas. Ah. Bah ouais, bah pour l'instant on en a besoin. Donc voilà. Du coup, là, on va voir pour racheter ça. Je vais voir si on peut aller jusqu'au bout ou pas. 3100. On va aller là. Et trop. Alors, on a un nouveau bus. Je sais pas si c'est un bus standard. Ah non, c'est un bus impérial. 87 passagers. On essaiera d'en avoir un. Plus tard. Bon, pour l'instant, voilà. Mais j'ai trop hâte d'en avoir un. Recherche terminée. Oh, d'accord, super. Salut, l'entreprise semble très bien fonctionner actuellement. Avec autant de travail qu'il y a, il serait toutefois préférable de repartir le travail entre davantage employés. Car la charge de travail actuelle est trop élevée et non à long terme. D'accord. Le stress est aussi à 100%. Hein. Bon, on va l'envoyer quand même en vacances. 35 minutes. Ah bah c'est normal, il est tout seul. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai toujours aimé Yumiya, ils sont toujours si ponctuels et fiables. Merci. Donc là, du coup, maintenant, j'ai 3 personnes au niveau des recherches. Là, c'est fermé, ça y est.
Tous les passagers n'ont pas été transportés pour la commande. Oh, j'ai pas pu voir. J'ai l'impression que ça s'est pas très bien passé. Mais j'ai pas pu voir malheureusement. Du coup, je pense que ça s'est mal passé. Je crois qu'il m'avait dit plus de 60 places et moi j'ai donné un 60 places. Je crois que j'ai fait une bêtise. Voilà, super quoi. La fin de la journée approche pour beaucoup d'entre eux. Il y en a qui attendent là. Je vais regarder bientôt leur stress et tout ça. Donc là, j'ai pas envie d'en remettre un dernier. Quand même. Voilà. Voilà, au niveau des notes, ça passe encore. Bonus environnemental, on est à 62%. On est à 3,8 sur 5. Franchement, ça va. Ça va, ça va, ça va. On va en remettre. On essaie vraiment d'en produire nous-mêmes. Donc voilà. 3,9. Yumia est une compagnie de bus tellement géniale. Les bus pourraient parfois être un peu plus ponctuels. Bon, bah, après ça va quand même. Donc là c'est pour la ligne de 2. Je vais envoyer celui-là. Donc là on est parti pour les lignes du soir. Et puis comme ça, c'est fait. Donc là, j'ai deux conducteurs en vacances. Mais c'est vrai que je pourrais voir pour au niveau des horaires et tout ça. On va essayer ça demain, de voir un peu les lignes. Les itinéraires, tout ça. Voir ce qu'on pourrait modifier. Je pense que lui, il passe tous les 45 minutes. Je pense qu'on va mettre pareil pour ça. Voilà. Pour la ligne 2. Non, je vais pas modifier ça. Là, on peut pas faire nous-mêmes. D'accord. Tous les 60 minutes. Ouais, on peut pas toucher à la ligne 2. La ligne 3. Je me trompe toujours entre les deux. Hein. pour la ligne 3, c'est tout 45 minutes et 30 minutes. Mais la ligne 3, c'est bien la ligne que je pense. Oh, mince. Oui, c'est bien la... Ah non, je me trompe. C'est la ligne 4. La ligne 3... Je pense qu'on va faire pareil, parce que là, ça fait deux bus, et là, ça fait un bus. Voilà. La ligne 4... Pour moi, là, c'est bon, c'est une petite ligne. Et là, ligne 5. On va faire pareil. Voilà. Ça leur fera un petit peu moins de temps de... Voilà. J'aimerais avoir une voiture et ne plus apprendre le bus. Oh bah, c'est pas sympa. Donc celui-là, on va l'envoyer à la peinture, vite fait. Parce que bon, voilà quoi. Hop, voilà. Ça y est. Il est comme notre autre flotte de bus. Bon, il y a des trucs à réparer dessus, mais bon. On va améliorer ça sur tous les bus. Ils seront améliorés un par un par les mécaniciens. Alors, j'ai combien de mécaniciens, moi? Je sais même plus. J'en ai deux. Je pense qu'un petit troisième mécano, ça... Ce serait pas mal en fait. Du coup, je pense qu'on va remettre un petit vestiaire. Alors. Voilà. Non, on va pas tout de suite accélérer la journée parce que je suis en train de faire ça. Et reprendre un employé. Donc un mécanicien. Ils sont payés combien, mécanicien? 16-10. Ouais, ils sont payés vachement bien quoi. Si toi, je te mets à 16-10... Ouais, mais la compétence, elle est à chier, là. Désolée de le dire, mais...
On va recruter lui. Alors là, on va regarder la propreté, tout ça, des bus. Bon, celui-là, il a besoin de faire du ménage dedans. Celui-là aussi. Ça, ça va. Celui-là aussi. Va, celui-là. Alors lui, il a besoin des deux, quoi. Clairement. On va faire ça et la journée sera finie. On a eu deux. Les bus de la ligne 1 pourraient volontiers être un peu plus vides. Ah bah ouais, mais bon, c'est la vie, hein. On a quand même mis 3, donc ça va. Donc là, on fait ça et la journée sera finie. Est-ce qu'elle a été rentable la journée? Ouais, 52 000. Très bonne journée. Bon bah voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Citybus Manager. Allez, ciao!